Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Près de Parents Live. Nous sommes le samedi 9 novembre 2019. Et ben ouais, au sommaire aujourd'hui, le Flash Média, le Piedos de Prezo et aussi un petit bonus. Et ben ouais, ça commence maintenant. Regardez tout de suite le Flash Média de ce 9 novembre avec au sommaire plusieurs actualités. Tout d'abord l'atelier avec Planu Flamand, mais aussi coup de foudre à Saint-Pétersbourg, mais aussi plein d'autres infos. Regardez, c'est dans Près de Parents Live, le Flash Média, et ça commence maintenant. Le jour de Noël, Marie apprend qu'elle est l'héritière d'un parc touristique situé près de Saint-Pétersbourg, mais très mal géré par Vania, son directeur. Elena Nogueira et Tirnovic forment le couple de coup de foudre à Saint-Pétersbourg. Nouvel épisode de la collection Coup de foudre A. Pour la circonstance, la demi-sœur de Lio a appris le russe. Diffusion de coup de foudre à Saint-Pétersbourg, jeudi à 21h05 sur TF1. Sur Chéri 25, Evelyne Thomas prend les commandes de Chéri, on s'occupe de vous. Une nouvelle émission de coaching diffusée du lundi au vendredi à 9h sur Chéri 25. Soucieuse d'offrir un agréable quotidien à ses deux enfants, Laura, mère célibataire, s'endette puis se surendette. Assaillie par les créanciers, elle opte pour l'irréparable, braquer une banque. Avec Cécile Reboa pour héroïne, itinéraire d'une maman braqueuse est suivi d'un documentaire sur endettement, le combat des femmes, lundi à partir de 21h05 sur TF1. Après l'accident de bus l'an dernier, Demain nous appartient va à nouveau frapper fort sur TF1 à partir du lundi 11 novembre avec une nouvelle grande intrigue centrée sur l'incendie dévastateur du MAS Austréicole. Tournée de nuit fin septembre durant 10 jours, le début de cette nouvelle arche narrative événement promet d'ores et déjà son lot de tensions et de suspense. L'un des héros de Demain nous appartient va-t-il trouver la mort dans l'incendie? Quelles seront les conséquences de ce drame sur la vie des Delcourt, des Valorta ou encore des Donnier? Réponse en novembre sur TF1. 9 ans après avoir quitté TF1, Flavie Flamand effectue son retour à la télévision. Sur M6, elle anime l'Atelier, magazine hebdomadaire adapté de Ripper Chop, un concept anglais. Principe, des anonymes déposent un objet usé ou cassé mais très cher à leur cœur. Spécialisés dans la restauration de l'objet en question, des artisans s'emploient à redonner vie aux biens tant appréciés. L'Atelier, tous les samedis à 17h35, avec Flavie Flamand sur M6. Joyeux anniversaire moi. Et oui, déjà 7 ans que je suis sur YouTube. C'est le bonus de Fredo qui est en même temps un vieux dos. En fait, c'est un petit peu combiné les deux puisque le bonus cette semaine, c'est le vieux dos. Puisque j'ai envie de vous faire un petit retour dans le passé. 7 ans en arrière pratiquement. C'était en novembre 2012, ma toute première vidéo sur YouTube. C'était mon coup de cœur à l'époque, les 12 coups de midi. Regardez. C'est vraiment Noël pour Alexandre. Vous êtes recordman toute catégorie. Vous avez plein de cadeaux dans votre hôte. Avec une cagnotte de plus de 200 000 euros, jusqu'où ira-t-il? C'est la bonne réponse, il m'énerve. C'est insupportable. Je vais lui laisser les clés de la maison pour Noël. Je crois qu'on va faire ça. Ses nouveaux adversaires n'ont qu'un but, faire chuter le maître de midi. À mon avis, il doit tricher. Débarrassez-moi de cet homme. On l'aura. Malgré son aisance et sa culture, réussira-t-il à conserver son titre? Le coup fatal. On lui met des pieds. Jean-Luc Reichmann présente les 12 coups de midi tous les jours sur TF1. Et voilà pour le vieux dos de Fredo. Meilleur souvenir, c'était la première vidéo que j'ai mise sur YouTube. Et c'est 7 ans de bonheur, voilà. Je ne fais pas ça pour le nombre de vues, hein. Sinon j'aurais arrêté depuis un petit moment quand même, voilà. Merci d'être avec nous. De semaine en semaine, j'essaye d'améliorer l'émission. Il n'y aura qu'une chose qui ne changera pas d'ici la prochaine fois, c'est mon physique, ma voix et surtout mon rire. Et en plus de ça, petite nouveauté pour vous, toi qui regardes Fredo Parent Live. Et tu sais quoi? Il y a un podcast sur fredoparentlive.fr. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, je refais une version audio, entre guillemets, de Fredo Parent Live. Voilà, là, tu vois. Et puis voilà. On se retrouve samedi prochain, le 16 novembre, avec plein de nouveautés, plein de surprises. Il y aura un nouveau Flash Média comme toutes les semaines. Et puis voilà, merci d'avoir été avec nous. Et je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais j'ai essayé de changer un petit peu le matériel. Donc voilà, j'améliore. On verra bien ce que ça donnera au résultat final. Passez une très bonne semaine et je vous dis merci. Et je me souhaite un joyeux anniversaire, 7 ans sur YouTube. Voilà, 7 ans, ça fait comme ça. Voilà.
7 ans de pur bonheur à faire des vidéos de semaine en semaine et on essaye d'améliorer. La blague du samedi, Star TV le mag ou encore Fredo FM TV le mag et maintenant Fredo part en live. Beaucoup de changements, beaucoup de surprises et d'évolutions, je l'espère. Passez une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain, 16 novembre, week-end du 16 et du 17. Et demain soir, pour ceux qui regardent l'émission en première, il y a un podcast inédit qui va débarquer sur le site internet de l'émission. Et ben ouais, et voilà, j'en dis pas plus. Des musiques, des coups de cœur et puis tout ça quoi, voilà. Bonne semaine à tous et à toutes. Et n'oubliez pas que d'ici demain, pour ceux qui nous regardent ce week-end ou d'ici la semaine prochaine, et ben il n'y aura qu'une chose qui ne changera pas, c'est mon physique, ma voix et surtout mon rire. Très bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.